Bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 août 2023. Je vais vous parler d'un film que m'a conseillé Gabriel, mon fils, et ça s'appelle Renaissance. C'est un film américain. La durée, c'est 1h58. Les acteurs, c'est Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Nathalie Martinez, Matthew Gould et Michel Dockery. Le genre, c'est science-fiction thriller. La date de sortie, c'est 2015. Moi, je l'avais vu déjà, mais il y a longtemps, et donc je l'ai revu, mais avec plaisir. C'est un très bon film de science-fiction. Et maintenant, voici le scénario. Que feriez-vous si on vous proposait de vivre éternellement? Damien Hell, un richissime homme d'affaires new-yorkais atteint d'une maladie incurable, se voit proposer une opération révolutionnaire par le mystérieux groupe Phoenix. Transférer son esprit dans un corps de substitution, une enveloppe vide, un nouveau corps jeune et athlétique pour prolonger sa vie. Comment résister à une telle proposition? Damien Hell procède au transfert et redécouvre les joies de la jeunesse, du luxe et des femmes dans son nouveau corps, jusqu'au jour où Damien découvre plutôt un terrible secret sur l'opération, un secret pour lequel Phoenix est prêt à tuer. Ah, bah, je vais pas vous dire quel est le secret, hein, même si je le sais évidemment. Donc c'est un excellent film de science-fiction, effectivement, qui pose le problème de la vie éternelle, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à payer le prix qu'il faut pour vivre éternellement, c'est-à-dire que une fois que son corps est vieux et usé, est-ce qu'on est prêt à payer pour avoir un corps de substitution, c'est-à-dire un corps assez jeune, on va dire, voilà, en pleine forme physique, voilà. Mais le corps de substitution n'est pas ce qu'on croit, mes amis, mais ça vous le découvrirez donc dans ce film. En tout cas, il pose les bonnes questions et il y a d'excellentes scènes avec un acteur que j'adore qui s'appelle Ryan Reynolds, évidemment un excellent acteur. Bah, je valide, je peux pas en dire plus, mes amis, mais beaucoup de scènes d'action, il y a de l'humour. C'est un film de science-fiction donc, qui est sur un thème très intéressant puisque tout le monde en fait aimerait pouvoir vivre éternellement ou prolonger en tout cas sa vie. Ou en tout cas ne pas vieillir et rester jeune le plus longtemps possible. Bon, après, il y a des méthodes, mes amis, des méthodes naturelles pour garder son corps en bonne forme. Mais ça, j'en parle dans mes blogs, mes amis, parce que voilà, moi-même, j'ai envie de rester en pleine forme. Donc, par contre, je ne change pas de corps, mes amis, j'ai toujours le même corps. Je vais le faire durer, en fait, le faire durer le plus longtemps possible. C'est pour ça que je l'entretiens, je prends soin de mon corps, activité physique, alimentation adaptée, on va dire, voilà. Donc, mais ça, j'en parle dans plusieurs de mes blogs. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter, m'envoyer des messages et je vous expliquerai comment faire pour rester en pleine santé jusqu'à 70 ans ou même 80 ans. Voilà, peut-être même 90, mais en tout cas jusqu'à 70, 80 ans. Donc, je vous expliquerai comment rester physiquement en bonne forme. Comme un athlète, en fait, jusqu'à 70-80 ans. Voilà, mais ça, c'est entre nous, voilà. Donc, j'ai des blogs qui parlent de la santé, la forme, le bonheur. Et vous avez qu'à aller sur mes blogs, mes amis. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye, bye. Alors, comment vous sentez-vous? En pleine forme. J'ai la dextérité physique d'un nourrisson. 250 millions bien dépensés. Le sens de l'humour, bien.